Du coup, petit GP top. C'est vraiment un no joke. Je sais pas pour vous, hein, mais moi récemment, là, tous les GP, enfin tous les GP, pardon, fou, là, tous les Greg Astap que j'ai pu croiser détruisaient les games. Mais vraiment, c'était en mode, ils étaient pas tuables et ils étaient trop chiants, tu vois. Ça met dans les locaux des fois, alors que vous ne jouez pas en team, genre comme là. Bah non, mais c'est juste que là, l'équipe était en, enfin, il y en avait certains qui étaient en vacances et tout. Mais sinon, il joue en team. Là, tu vois, c'est revenu de vacances. Très tôt, il revient après et tout. Les mecs, tu spell un tout petit peu trop tôt. C'est pas de chance. On peut pas tous les avoir malheureusement. Ah c'est ouais, si Atalia joue topside. Ah dommage, j'ai pas pu lui mettre un petit proc poigne au passage. Ça aurait été chouette. Par sécurité, je vais prendre mon E. Je sais pas si Talia va lui faire un truc un peu cheesy ou quoi. Je me méfie. Ce serait pas 2 CS raté sans raison ça. Je crois bien. Non. Je suis trop gros. Le body block de fou. Il est l'élastite. Pas première game de la journée. Terrible. Oh putain, elle a pris le double buff. On y va. Hein. On y va. Pourquoi on arrête le chase? Genre t'as un double buff et la flash out, c'est une Soraka de merde. Voilà. Bien sûr qu'on s'arrête pas, j'ai TP pour ça mon pote. Oh, j'arrive. Voilà, on s'arrête pas, bien sûr qu'on s'arrête pas. Voilà. Bonne petite TP ça. C'est pas sur la page des streams FR LOL? Ok, j'irai check ça après. C'est pas normal. Faut que je vérifie après sur le PC Régis. Et voilà, ça snowball. Bien joué ça. Bon, j'ai perdu un peu de CS au top du coup, mais j'ai pris 3 assists et ça a complètement lancé mon bot side. C'est très bien. C'est pour ça que tu vois, j'aurais bien aimé au moins récupérer un kill, tu vois, genre notamment le kill avec le double buff, ça aurait mis super bien. Ça aurait largement compensé la perte que j'ai eu en top lane. Non, il est en portée de tour, je suis deg. Oh putain, je l'ai eu, incroyable. Je pensais tellement pas l'avoir. Après, Jax, individuellement parlant, il s'est mis bien, tu vois, parce qu'il a pas follow-up, il a slow-push la lane. Donc voilà, pour lui, pour sa gueule, c'est chouette quoi. Mais bon, la team elle a payé un peu cher.
Je suis étonné, tu vois, j'aurais pensé qu'il serait venu c'est pendant que j'étais en train de TP, je regardais sur la map, j'aurais pensé que Jax serait venu me fight pour canceler ma TP, mais non, il m'a laissé faire complètement. Let's get this party started. Ah, moi, il l'a pas touché. Il a fait quoi? Il a fait une brillance. Ok. Donc il a un petit burst sur ses pokes. Je vais faire un saut noir, je pense, vu la lane. Dans la lane, on va juste beaucoup se taper dessus, beaucoup se sustain, etc. Donc le saut noir, il sera rentable. Max le E contre Jax serait mieux je pense. Non, le E, le max et le E, c'est, je trouve ça naze. Je trouve ça trop naze. En fait, en gros, par rapport au max Q ou au max W, tu gagnes tellement rien à foutre des points dans le E, c'est terrible. Tu vois, j'ai quoi? J'ai une dizaine de CS de retard pour desquels que j'ai fait à la TP. C'est franchement ok. Oh, il va juste flash out. Ok, ça me va. Jack Splash. Il va devoir re-TP en lane. Et du coup, j'aurai l'avantage à la TP. Très bien. Non! C'est Shaco. Malheureusement, Shaco a pas de mana. Je suis obligé de laisser la wave comme ça. Ah, ça me fait chier, putain. Je peux pas vraiment laisser la wave comme ça. Ok, ça va. Jax a pas TP? Il revient à pied. Ok. Étonnant. 12,50, Jax F. On est vachement bien dans ce game. Parce que du coup là avec le petit trade que j'ai pris sur Jax, commencer un peu à reprendre le retard que j'avais sur lui. Pas mal. Fallait pas freeze là, alors ça mec, peut-être. Je te cache pas que ma gestion de wave quand je suis top lane est terrible. C'est un de mes plus gros défauts et il faudrait que j'apprenne à gérer ça un jour. Mais actuellement je... Et merci Yuzgi, pour les 9 mois, merci beaucoup mec. Oh merde, pas trop là. Oula. Ça pingait des assistance, mais y a aucune chance qu'on prenne le fight là-dessus. Enfin, qu'on prenne le fight. Les yeux qui décalent et tout. Un peu perdu ma TP pour rien là-dessus.
don't get pushy. Ah ils ont gratté un kill. Oh le Shaco il meurt même pas, incroyable. Incroyable, ils perdent pas la tour et tout. Oh yeah, yeah. Ils ont pris le dragon mais pas très grave. Alors, il y a quoi? Il y a un petit phage, ok. C'est long le CD de la TP maintenant, même quand tu cancel. Aïe 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 aïe, terrible. Swap, maybe? Si tu veux. Là, du coup, c'est on met qui en side, vous les mettrez, et moi en melee. On peut faire ça si vous voulez. Je pense que c'est pas le plus opti, mais. Tu fais ulti au bot, le raid. Non, cette tour que j'avais travaillé au corps, c'est même pas moi qui reçois les codes. terrible. Pas grave, moi je joue pour l'équipe. Je tanky quand même. MDR. T'as pris un enchaînement de CC, mon pote. Je te jure mec, ça me fume, hein. L'enchaînement de crowd control qu'on a, il est incroyable. Ouais, nice, on a pris une petite tour, on a endommagé la seconde, c'est chouette. J'ai peut-être un peu bait. J'ai peut-être un peu bait, mais malheureusement je suis obligé de cancel cette TP parce qu'il y a le Soraka en fait. Alors vraiment, le moment où en fait je TP et j'atterris sur un silence, je suis obligé de cancel en fait. Toi, j'atterris dans un silence, derrière je mange le snare, et derrière je mange le bum de Talia, il y a Jax qui me DPS pendant ce temps, genre je suis tanky mais. Ils ont quoi, les 3 secondes, je peux rien faire. Zen ping. Bah après c'est aussi ça temps de réfléchir mon pote. Je vais pas garder ma TP et atterrir dans une silence genre. C'est pas la fête au slip quoi. An enemy has been slain.
Le silence dissuasif qui bait leur eyes. Ouais, bah en même temps. Hein. Mec, je te promets, hein, genre. Les gens se rendent pas. Enfin, le mec se rend pas compte, hein. TP dans un silence, c'est vraiment pas marrant, quoi. Surtout que je suis Gragas. Et j'ai besoin d'utiliser mes sorts. Non! Ah! Putain, fais chier! Je pensais pas qu'il descendrait sur moi aussi vite, quoi. Presque c'est une putain de Talia. Ça bouge vite. Je pense que je vais juste prendre la pression sur ma lane et je vais décaler avec mon équipe pour qu'ils aillent poser de la vision. Parce qu'on a, de la vision, mais c'est de la vision. Enfin, pas, elle est pas super agressive, tu vois. Bon, là, du coup, easy sur elle tout seul. Adieu, Soraka. Possible de donner tes masteries là, je joue sur ce classique, c'est poigne inspiration. Donc, j'ai poigne, bonne plating, chrysalis, revitalize et les bots et les cookies. Voilà. Rien de incroyable. Non, vraiment, j'ai raté. La vie, c'est nul. Et Yasuo a une stopwatch. Putain, c'est chiant, c'est grave chiant. Une Taya qui sort de nulle part. Oh là non. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui branle, putain. Eh ben, quand y a pas de petit père Graggy pour TV sur votre cul, c'est plus compliqué, hein. Et... aïe aïe aïe, terrible. Oh, c'est un troll, Lucien. 15 secondes ma TP. Oh, t'es sérieux, mec? C'est la no joke, mec. Si cette TP passe un. Alors, à une seconde près, je le cancel et il est mort. Hein. Parce qu'il a pas de flash et moi j'ai Gantlet Givrant, je le chase pendant une demi-année s'il faut. Aïe aïe, pas de chance. Pourquoi on la laisse faire? Allo, allo, allo. Pourquoi elle a le droit de faire ça? Et c'est grave, hein. Genre, on a peur d'une Taya jungle, on a Leona Gragas Jhin. Non mais... Wouah, mec, son cerveau il est fondu à la Leona, c'est grave, hein. Voilà, il y a un moment, mec. Il y a un moment, faut y aller, quoi. Ah, il engage comme ça, le lâcheur. Ok, bah c'est parti. Ça me paraît très YOLO, mais...
Aïe. Ok, Talia flash out. Elle a plus de flash, hein. C'est mort. Bien joué. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux quand on met du rythme et qu'on profite du fait d'être devant au lieu d'attendre. Non. Fuck, j'ai pas fait. En fait, elle partait. Je la voyais venir chercher le creep. Donc je pensais que. Je pensais qu'elle avait des stacks de targon, mais non, que nenni. Je l'ai perdu pour rien ce creep canon. La Léonel n'engage pas une Taïa dans la jungle, par contre une Jax sous tour avec sa team derrière, y'a pas de problème. Ouais, c'est exactement ça, je te jure, hein, le moment où le Jax était là et qu'elle cherchait à le E, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, genre la Taïa elle essaie de défendre une pink, elle se fait pas engage, par contre le Jax y'a aucune info et là elle s'enflamme. Oh, oui. Mais heureusement, je suis Gragas. Ah, c'est pas très marrant, mec. C'est pas très marrant pour ça, je suis désolé. Ah, Ezio est parti. Pour Lucien il peut rien faire, en même temps il est en 2-8-1 tu vois donc quand 2-8-1 pour tuer un Gragas tank, laisse tomber hein. Toi t'es Lucien, faut t'accrocher. Le bidou qui retient un ulti easy mec, je te promets, genre il m'y chatouille avec son ulti, c'est grave hein. Ouais, les tanks, ouais. Attends. Après, là, plus que les tanks, surtout lui qui est trop derrière, mec. Genre, 2-8-1, 119 CS en 24 minutes avec un Lucian, ce serait limite un scandale s'il faisait des dégâts, tu vois. Je suis désolé mais en gros j'ai envoyé le Jax sur le Jhin, c'est pas forcément volontaire quoi, c'est juste que il se faisait trade et il fallait que je pousse le plus possible le Jax le plus rapidement possible. Et donc du coup je lui ai un peu envoyé dessus, c'était pas super ça. Mais j'aurais dû faire plus attention au sens que je donnais à mon ultimate, c'était un peu dangereux là. Nice. Elle défend bot. Derrière, il fait trop mal. En même temps mec il a un power spike mon pote. Triple item, tu mets un petit tap avec un rabat non.
Ah, deux fois que la dash? Ouais, je me suis à voir. Oh, elle avait un flash. Deux flashs. Si jamais je peux tanker le monde hein, donc. Mais j'aurais dû lancer. Là tu vois j'aurais dû lancer mon ulti pendant que je faisais le E flashé. Et là ce raccord y'a rien pu y faire. Non. Bah attends, vous êtes pas là, genre. J'ai bien un groupe, mais vous êtes pas là. J'en profite pour reprendre la pression, top. Ah voilà, t'as attendu 3 secondes. Moi j'ai attendu 1 minute. C'est qui groupe pas, connard? Il s'est fait imploser par Ryze. GG. Putain. Je te jure, je trouve ça trop trop fort Gragastop en ce moment, c'est insane hein. Tous les Gragastop que je croise, ils font trop trop le taf en fait. Je vais snipe sa game, je suis Demon Lord Remember. Ok, attends. Tu veux qu'on joue à un jeu? Regarde. Maintenant, si t'arrives à snipe ma game, je te dois tout mon respect, ok? Tu veux jouer à ce jeu? Est-ce que t'as déjà eu une malédiction dans LOL? Perso, je suis monté plus de 10 fois à Gold 1, 50 LP, et là, full AFK, troll, flame, oh non. Après, oui, j'ai eu des séries de défaites incroyables, tu vois, j'ai déjà eu des séries de défaites genre de 25 games et tout, mais... Des vraies vraies malédictions, ça existe pas, tu vois, genre, les gens bénis, etc. C'est pas quelque chose de réel, c'est dans ta tête. Je pense, ouais, c'est ce que je veux dire, je pense que j'ai pas beaucoup de dégâts, mais tu vois, le Jax pareil, c'est vrai, on s'est très peu fight, lui et moi. Beaucoup push, en fait. Mais bon, lui, tu vois, il a 8600 dégâts, lui, il a vraiment fait que PVE, quoi, le pauvre. Pauvre petit père. Hein. Ouais, je suis content, c'était money, mais en vrai, on a fait le taf, hein. Alors à toute première TP, il a tellement fait le taf. Ça a bien lancé la game, c'était chouette. En général, quand je joue top lane, je fais toujours que des TP de merde, tu vois. Et là, pour une fois que je fais une bonne TP, je suis nice, on a fait une bonne TP, let's go. Incroyable.